Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe ESCPO, le groupe ESCPO qui a initié l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, notamment dans le monde des écoles de management. Vous êtes la première, paraît-il ? Tout à fait, nous avons co-créé le dispositif d'apprentissage dans les grandes écoles de management avec l'ESSEC en 1994. Nous avons un savoir-faire de plus de 20 ans sur le dispositif d'apprentissage dans les écoles de management. Aujourd'hui, comment ça se traduit tout au long du cursus ? L'apprentissage est vraiment l'ADN du groupe ESCPO. La moitié de nos étudiants en master est apprenti dans une entreprise. Alors évidemment, l'apprentissage ne se passe pas qu'à Pau, il se passe dans la France entière. Et nous avons des apprentis dans la France entière que nous suivons, évidemment, que nous accompagnons. L'apprentissage permet à l'étudiant de se révéler professionnellement. Pendant 2 ans, il va passer 80% du temps dans l'entreprise. C'est rendu possible par un calendrier 6 semaines entreprise, 2 semaines école, où l'étudiant alterne son terrain de jeu, l'entreprise, où il va appliquer les connaissances acquises en cours. Évidemment, plusieurs avantages, 0 frais de scolarité, rémunération et 2 ans d'expérience avant même d'être diplômé. La moitié de nos apprentis restent en CDI dans les entreprises où ils font leur apprentissage. Les partenariats entreprises, nous sommes avec un grand nombre d'entreprises, de très grandes entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, mais également un tissu de PME très solide qui accueille chaque année plusieurs de nos étudiants. Vous avez un solide vivier parce que depuis plusieurs décennies, c'est quand même un vaste vivier d'entreprises qui vous suivent. En effet, c'est très différenciant puisque nous avons plus de 160 places disponibles pour les étudiants, pour l'apprentissage, et nous négocions chaque année 220 offres. Donc l'étudiant se positionne sur les offres, notamment dans le cadre du forum métier que nous organisons, où les entreprises viennent à l'école identifier, repérer les talents et les futurs collaborateurs et collaboratrices qu'ils veulent en apprentissage dans l'entreprise. Le dispositif de l'apprentissage s'applique au niveau du master ? Au niveau du master, tout à fait. Et ce sont des contrats de 24 mois. Et ça touche tout public, les admissions parallèles comme les prépas ? Tout à fait. Nous encourageons et les élèves, les anciens élèves préparationnaires et les admis sur titre à s'engager dans le processus d'apprentissage car il est très formateur. Il permet à l'étudiant d'être diplômé d'un master d'une grande école de management et de connaître l'entreprise, de travailler son savoir-être, de faire valoir son savoir-faire et d'être très opérationnel, responsable et déjà innovant, un vrai intrapreneur que recherchent les entreprises. Sébastien, merci. Merci beaucoup.